jamais remercier assez tous nos collaborateurs, nos partenaires, nos fournisseurs, nos amis. On a fait mieux que l'objectif qu'on s'était fixé. Puis des très bons commentaires de tout le monde. J'applaudis des initiatives comme celle de Cogir parce que c'est avec une collaboration des gens du secteur privé puis du secteur public, avec des universitaires, avec des médecins, avec des intervenants sociaux, avec des psychologues, avec des hommes d'affaires, avec des avocats, que tout ça va évoluer. Et ce lien-là nous permet de ramener auprès de la clientèle les résultats de la recherche, de faire en sorte que des gens puissent en profiter directement pour mieux vieillir, parce que c'est ça nos sujets de recherche. C'est important de prendre conscience du bien-être des personnes âgées dans notre société. Et c'est toute la promotion de la santé. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est tout le volet promotion de la santé. Et l'entente avec Cogir nous permet d'aller beaucoup plus loin dans ce sens-là. Et ça, c'est novateur au Québec. Si on appliquait les 5 règles d'or, ne pas fumer, rester mince, bouger beaucoup, manger beaucoup de légumes, se tenir loin de la malbouffe, on vide nos hôpitaux, on vide nos urgences, et puis on a quantité d'argent puis de ressources cliniques et de recherches qu'on peut mettre sur des vraies maladies génétiques pour lesquelles la prévention n'est pas efficace. Ça nous inspire, honnêtement. Le thème de la soirée, le thème « Toute génération unie » pour nous est un thème qui nous a inspirés parce que c'est, on s'en va tous vers le vieillissement, puis on a tous, que soit nos parents, nos grands-parents qui passent par là ou qui sont là dans le moment. Il y a pas mal plus de monde âgé qu'il y en avait avant. Et qu'il faut effectivement qu'on soit prêt pour ça et qu'il y ait de la recherche, qu'il y ait des sous qui soient disponibles pour soutenir ça. C'est des gens pour qui on est responsable. On est responsable de leur bien-être, on est responsable de leur santé, on est responsable que ces gens-là vieillissent heureux, vieillissent bien. Et puis le programme Vieillir en santé bien, vient contribuer, vient toucher les gens là, droit au cœur. Bon, on est convaincus que ça va faire une différence dans le quotidien des gens. Ces gens-là, puis avant, avaient peut-être 75 ans, maintenant ont 90, 95, ils sont très alertes, ils sont très mobiles. Il faut juste qu'on les aide un peu à pallier à quelques petits besoins de la vie quotidienne, mais il y en a de plus en plus qui sont très, très actifs. Puis on souhaite tous qu'on va l'aider, hein, parce que c'est pas tout de se faire traiter, mais c'est aussi d'avoir une vie active et une qualité de vie. Quand on est capable, dans notre travail, de mélanger le côté affaire au côté humain, de faire du bien, c'est un sentiment d'accomplissement qui est pour nous, selon nos valeurs d'entreprise et personnelles, c'est le meilleur sentiment du monde. On aime tous savoir que nos parents et puis les gens qu'on aime vont avoir des gens qui vont prendre soin d'eux et un endroit agréable où vieillir. Donc, toutes mes félicitations. Et pour nous, c'est un dépassement, honnêtement, cette soirée-là. Ça a été exceptionnel. Je pense qu'on vient de faire un événement qui va nous assurer d'avoir un événement encore plus extraordinaire l'année prochaine. On va essayer de monter la barre encore un petit peu plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont revenir. Puis on remercie tout le monde qui a contribué ce soir. C'est incroyable. Je suis très fier en mon nom personnel et en mon nom de mon entreprise d'avoir contribué à l'avancée de la recherche. Et lâchez pas et à l'année prochaine.